Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. On se retrouve aujourd'hui pour un des autres défis de la semaine 4 où vous allez du coup devoir en fait tirer des feux d'artifice. Donc en fait il y a plusieurs emplacements avec des endroits où il y a des feux d'artifice. Donc je vais vous montrer plusieurs emplacements. Je sais pas si c'est possible de faire plusieurs fois le même endroit. Logiquement ça devrait être possible puisque sur le défi ils ont pas marqué qu'il fallait le faire sur différents endroits. Donc à mon avis si vous le faites sur un endroit et que vous revenez sur une autre partie, ça doit être faisable. Mais je vais quand même vous montrer plusieurs emplacements par rapport à où le bus va être. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc on va commencer par un premier endroit. Donc c'est au niveau du désert. Donc c'est pas très loin en fait des pigeons d'argile. Donc c'est à peu près par ici, vous allez voir. Donc là en fait vous avez normalement la machine de pigeons d'argile qui était présent ici. Voilà. Et donc il y a même quelqu'un qui... Ah bah ok. Il a raté sa tyrolienne. Donc vous voyez que on avait les pigeons d'argile qui étaient là. Et donc ici on a des feux d'artifice. Donc on l'active. Et donc ça va nous l'activer logiquement. Ok, très bien. Bah voilà. Donc on va passer cette fois-ci donc à un autre emplacement que je vais vous montrer. Alors on continue cette fois-ci avec un deuxième emplacement de feu d'artifice. Donc c'est au niveau de ces petites maisons. Donc à côté du bloc, comme vous le savez peut-être, avant quand il y avait Riskiril, il y avait toujours eu deux maisons au-dessus. Donc en fait c'est entre ces deux maisons-là, il y a un autre feu d'artifice. Donc il faut savoir que juste avant, je viens d'y aller et en fait il y avait quelqu'un qui y a été. Il a activé le feu d'artifice avant moi et moi du coup j'ai pas pu l'activer. Donc en gros, quand quelqu'un d'autre active la fusée, eh bien malheureusement vous pouvez pas le faire puisqu'elle est déjà activée. En gros il doit y en avoir en fait sur plusieurs endroits et dès que quelqu'un active, vous pouvez pas la réactiver. Donc c'est pour ça je pense que c'est quand même mieux de vous montrer plusieurs emplacements. Comme ça, ça sera beaucoup plus efficace par rapport au niveau du bus. Donc logiquement elle devrait apparaître, voilà, elle est juste là. Donc on va l'activer encore une fois et comme ça, ça nous permettra donc de valider une deuxième fusée. Donc on va attendre. Ok, bah ça a été validé, on va regarder. Est-ce que la couleur a changé? Pas du tout, ok. Bon bah c'est pas grave. Alors on va donc terminer cette fois-ci avec un troisième emplacement. Donc il faut savoir bien sûr qu'il y en a plus que trois. J'avais pu voir qu'il y en avait d'autres emplacements. Donc on va en trouver une autre au niveau de Haunted Hill. Enfin à côté de Haunted Hill, vous avez deux petites maisons en bas. Et donc c'est entre les deux maisons à peu près. Donc à peu près dans le même style que tout à l'heure. On va pouvoir donc retrouver une troisième fusée. Donc j'espère que personne d'autre va l'activer avant nous. Lui je crois qu'il y va. Donc j'espère qu'on va être assez bas. On va essayer de l'activer avant lui pour être tranquille. Et donc ça sera la dernière fusée qu'on aura activée, puisque comme ça on aura donc validé le défi si tout se passe bien. Parce qu'il a l'air d'être un petit peu plus bas que moi. Alors normalement la fusée devrait être derrière. Ouais, elle est juste là-bas. Ok, bah nickel, en fait il va pas la prendre. On va donc l'activer. Et donc voilà le troisième défi donc qui est validé. Bah ça fait plaisir tout ça. Et la couleur, je crois qu'il y a... Non, qui n'a même pas changé. Ok. Eh bien, écoutez, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas, au passage, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir donc avec le code créateur Evosion-Freezer. Sur ce, les gars, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et salut tout le monde.